Bonsoir. Bonsoir. Vous allez m'excuser, mais j'ai pas prévu de prester ce soir. En fait, ce soir, ma feuille est vide. Alors inspirez-moi. J'écris souvent, mais je sais pas comment faire quand je suis dans les mois. Moi, je peux écrire sur tout ce qui est un atout pour tous. Je peux écrire sur la vie, la mort, donner mon avis sur l'amour, voire l'humour. Je peux écrire sur la morale et même décrire la parole. Je peux écrire sur le froid, le chaud, le vrai, le faux, le calme et l'écho. Mais ce soir, ma feuille est vide. Inspirez-moi. Inspirez-moi de vos vies, de vos histoires, pour que sur ma feuille blanche, je puisse mettre un peu de noir. Inspirez-moi de vos joies, de vos choix. Racontez-moi l'histoire de mes aïeux. Parlez-moi de la vie d'ailleurs. Parlez-moi de l'époque où mes mères dansaient au bruit de tambour, où elles ne connaissaient pas encore le four et où elles cuisinaient dans des marmites. L'époque où les rites n'étaient pas encore des mythes. Quand mes pères buvaient dans le cabé, assis autour du feu, le vieux sage nous contait des adages. Parlez-moi d'avant, parlez-moi d'antan. Inspirez-moi de ce que le temps vous inspire. Inspirez-moi de vos peines, de vos pleurs. À ce qu'il paraît, qui veut la paix prépare l'épée. Alors parlez-moi de la guerre. Je peux mettre à votre place, je peux comprendre vos larmes. Je peux, comme vous, je peux conduire la masse et je peux être votre arme. Juste inspirez-moi de votre lutte pour qu'enfin je milite et après ensemble on lutte. Parlez-moi de vos disparus pour que j'honore leur mémoire. Juste laissez-moi m'inspirer de votre savoir, parce que ce soir, ma feuille, je la remplirai de votre histoire. Merci. 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 En anglais, on dit congratulations. Voilà deux questions. Pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais. Félicitations.